Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais super super bien. Voilà les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir une carte de crédit ou bien sûr une carte bancaire gratuitement en Afrique. Voilà, moi-même personnellement, j'étais souvent confronté à ce genre de problème. Je faisais des activités sur l'internet, j'ai gagné de l'argent, mais le problème c'est comment recevoir mon argent. Donc j'avais besoin d'une carte bancaire. Et pourtant, la plupart des banques, quand tu pars pour avoir une carte de crédit, on te demande souvent de l'argent. Et puis voilà, je connais la situation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir une carte de crédit gratuitement ou partiellement gratuite. Voilà. Et puis, pour pouvoir faire les achats en ligne non seulement, mais aussi pour pouvoir recevoir votre argent. Avec cette carte de crédit, vous pouvez utiliser PayPal avec. Vous pouvez, si vous avez une chaîne YouTube qui est déjà monétisée, vous pouvez recevoir votre argent à partir de cette carte de crédit. Vous pouvez faire des paiements de votre page Facebook à partir de cette carte de crédit. Imaginez que vous voulez booster votre page Facebook. Vous avez besoin d'une carte de crédit. Voilà, une carte bancaire. Donc, dans ce cas, il vous faut une carte bancaire pour pouvoir booster votre page Facebook ou bien Instagram ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je vous invite alors de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre réellement comment ça fonctionne. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite sur mon téléphone. Voilà, je préfère faire ça sur le téléphone car la plupart de ceux qui me suivent, comme vous pouvez le constater, ils utilisent le téléphone mobile. Voilà, donc les gars, vous allez tout simplement utiliser. Il y a un service qui est disponible qu'on appelle KeyCash. Donc ça s'écrit KeyCash. Donc on va partir sur Play Store. Donc je viens sur Play Store. Donc j'écris tout simplement KeyCash. Moi je l'ai déjà téléchargé, mais je vais vous le montrer. KeyCash, ça s'écrit comme ça. Ok. Voilà. KeyCash. Donc une fois que vous écrivez, vous allez voir ça. Voilà. Donc les gens là, ils proposent des paiements en ligne par mobile. Donc depuis l'Afrique, ils te donnent une carte virtuelle. Donc vous pouvez voir Retrait Mobile, Mobile Money. Donc à partir de cette carte, vous pouvez la recharger à partir avec Orange Money, avec MTN, MTN Money ou Mobile Money, voilà, avec Airtel. Donc partout en Afrique ça fonctionne. Donc moi, comme vous pouvez le constater, donc j'ouvre l'application mobile. Une fois dans l'application mobile, on vous invite de créer un compte. Donc nous allons faire ça. C'est ce que nous allons faire. Nous allons créer un compte. Voilà, ouvrir l'application. Donc d'activer l'accessibilité, donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai activé l'accessibilité les gars. Donc nous allons continuer. Voilà, nous sommes déjà au bord sur le tableau de bord de la carte virtuelle. Donc moi j'ai déjà créé mon compte, mais apparemment il va falloir que je supprime, je me déconnecte. Donc comme vous pouvez constater ici, voilà, donc vous avez vu, pour le moment j'ai 0 euros sur la carte. Donc je vais venir ici, je vais me déconnecter. Voilà, donc une fois les gars, donc pour créer un compte, c'est très très facile. Donc vous cliquez tout simplement sur inscription et puis vous remplissez ici, vous mettez votre nom, prénom et voilà, vous mettez votre pays. Donc moi je l'avais déjà fait, donc je me connecte tout simplement. Ok, donc arrivé sur cette page, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez recharger votre carte de crédit. Vous pouvez déjà recharger la carte. Donc pour le moment, vous avez ici ma carte. Si je viens ici, je clique sur ma carte. Donc vous allez voir, on dit votre carte principale. Votre carte principale n'a pas encore été créée. Donc il faut effectuer votre première recharge pour que celle-ci soit mise à. Donc il faudra d'abord recharger KeyCash. Maintenant, comment la recharger? Vous pouvez la recharger à partir de Orange Money. Voilà, donc vous avez vu comme moi j'ai sélectionné Orange Money dans mon pays. Donc j'ai sélectionné Orange Money. Donc une fois que cela est fait, voilà, il suffit tout simplement de mettre le montant. Le montant minimum c'est 10 euros. Donc je mets 10 euros et puis là je prends en euros. Ok, voilà, qui fonctionne partout. Donc là je sélectionne le service que je vais utiliser. Donc si c'est AliExpress ou Amazon, ou vous voulez acheter des cours sur Udemy ou Kandlu, Spotify ou Google Play ou Facebook, donc là il suffit de choisir. Mais moi je choisis partout et là j'ai dû obtenir ma carte. Voilà, maintenant une fois que cela est fait, voici comment recharger. On dit la carte qui cache marche bien sur Facebook et autres. Donc là je suis au nouveau ou payé. Donc cette carte est valide pendant 2 ans. Donc je vais tout simplement cliquer sur payer. Voilà, une fois que cela est fait, on dit donc le prix total c'est 261 000. Ils vont non seulement recharger ma carte,
ils vont recharger la carte, mais le prix de la carte aussi fait partie de ça. Le prix de la carte, c'est 10 €. Donc, ce qui est égal à quelque chose de 6 000 et quelques francs CFA, qui est égal à 112 000, quelque chose de comme ça, en francs guinéens. Donc, j'accepte les conditions et j'ai dit commander. Une fois arrivé à cette partie, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre numéro de téléphone. Donc, moi, là, je vais mettre mon numéro de téléphone. Ok, voilà, je sélectionne le numéro de téléphone ici que je t'avais déjà mis. Donc là, j'ai dit valider. On dit vous devez cocher ok, pas de problème. Je mets le numéro de téléphone. Ok, et là, j'ai dit valider. Voilà, donc les gars, une fois arrivé à cette étape, la seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre votre code secret, le code secret de votre Orange Money ou bien de votre Mobile Money. Voilà, donc une fois que vous mettez ça, la carte serait créée. Donc, comme vous pouvez constater chez moi, c'est 260 et quelques mille. Donc, ce qui est dégâts, donc, c'est le prix de la carte, les 10 € et les 10 € minimum qu'ils vont mettre sur la carte. Donc, une fois vous aurez fait ça, la carte est valide pendant 2 ans. Ça n'aura, ils vont pas vous débiter pour les frais quand vous allez acheter ni rien. Voilà, moi je l'ai déjà utilisé, les gars. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, si elle vous a toutefois plu, n'hésitez pas à liker, de commenter, de vous abonner sur la chaîne. Voilà, donc si toutefois vous avez aimé la vidéo, donc likez la vidéo et partagez à d'autres amis qui ont sûrement besoin de ce genre de choses. Donc ça va sûrement les aider, les gars. Donc on se retrouve à bientôt. Ciao.